Bonjour ou rebonjour si vous étiez avec nous en ce jeudi. Bienvenue du côté du Parvis du Mucem pour cette journée des finales à l'occasion de cette 50e Marseillaise à Pétanque. Ravi de vous retrouver pour cette très très belle après-midi et cette soirée que nous allons passer ensemble. Nous avons déjà vécu de très très belles choses. On va y revenir d'ici une poignée de secondes et l'on va en vivre à nouveau des très belles avec la seconde demi-finale de ce mondial, la Marseillaise à Pétanque. Une demi-finale qui va mettre aux prises la triplette d'Aimé Courtois face à une triplette venue de Madagascar. Avant cela, mon cher Marion Barthélémy, on va revenir sur cette première demi-finale avec la qualification de Vigo Dubois, Jean-Michel Puccinelli et Tyson Molinas face au grand Marco Foyo avec notamment ces deux dernières boules jouées de main de maître par Jean-Michel Puccinelli. Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous. En effet, Jean-Michel Puccinelli devait réussir ses deux dernières boules dans cette main. Il menait 9-5. Il avait été déjà très très bon. Le milieu marseillais qui court après sa première étoile, il s'est mis au diapason de ses partenaires et il a réussi, frappé, gagné. Puis ensuite, il a rajouté le dernier point pour amener ses partenaires en finale. Ouais, possibilité d'une première étoile donc pour Jean-Michel Puccinelli, possibilité d'une cinquième pour Vigo Dubois. On suivra ça évidemment avec grande attention. 20h30, soyez avec nous évidemment pour cette grande finale. Face à qui? C'est la question de cet après-midi à l'occasion de cette seconde demi-finale. Aimé Courtois est présent dans le dernier carré, le Marseillais qui a vécu d'ores et déjà un véritable championnat de Madagascar. Et oui, après Kanté, en 16e de finale, il a eu affaire à deux équipes. Qui n'est pas malgache. Je ne suis pas malgache, bien sûr. Kanté Sucholor, une belle partie d'ailleurs que vous avez eu la chance de voir. Et ensuite, Aimé Courtois en 8e a battu une équipe de Madagascar et une deuxième équipe en quart de finale. Donc c'est le vrai parcours du combattant pour Aimé Courtois et ses partenaires. Et ça se poursuit donc à l'occasion de cette demi-finale. Trois matchs consécutifs face aux joueurs de la Grande Île. On sait que ce sont les joueurs étrangers qui sont le plus proches de pouvoir soulever enfin ce trophée. Ils ont des supporters dans les travées de ce stade du Mucem. On va découvrir justement cette triplette venue de la Grande Île. Ce ne sont pas les noms les plus ronflants. Pourtant, il y en avait. Il y avait les Razana Dragos, il y avait les Tonnerres, il y avait les Jean-Jacques, mais non, ce sont ces jeunes-là autour de Solo Rassami Manana. Et oui, ils sont moins connus que tout ce que vous venez de citer, mais en tout cas, ils sont très très performants. C'est une équipe qui a une force de frappe incroyable. Ils manquent quasiment pas de boules. En tout cas, ils n'en manquaient pas dans le parc Borély. On va voir s'ils peuvent être aussi performants ici sur l'esplanade du Mucem. Allez, nous y sommes sur ce carré d'honneur. Roland Armand, l'arbitre international de ces phases finales qui vient de donner le coup de sifflet. Il a donné ses indications. Nous pouvons rentrer de plein pied dans cette seconde demi-finale. Allez, c'est donc l'équipe malgache qui démarre cette demi-finale. On va avoir évidemment l'occasion de les découvrir hein, pour beaucoup. En tout cas, James et Tafita aux côtés donc, de cet homme qui vient d'ouvrir les débats. Solo Rassami Manana, licencié du côté de Saint-Herblain dans le 44. Allez, on se souvient qu'en huitième de finale, ils avaient frappé 5 fois à la dernière main pour sortir les tenants du titre. Ah oui, quel Rocher, quel Lacroix match. Et Robineau. Vous l'avez peut-être vécu à nouveau en notre compagnie à la mi-journée. Juste avant la finale féminine qui a vu l'équipe de France Espoir s'imposer donc dans ce Grand Prix féminin. Première reprise pour Aimé Courtois, c'est bien, ça met de la confiance. Ah, il a été d'une solidité, hein, Aimé Courtois, vous vous souvenez de cet affrontement face aux deux Philippe, hein, Philippe Quintet, Philippe Suchot et Patrick Laure. Il a dominé de la tête et des épaules ce duel à la pointe. Ah ouais. C'est repris. Rassami Manana, médaillé de bronze hein, aux Jeux mondiaux hein, l'an dernier du côté de Wrocław en Pologne, avec Tafita d'ailleurs,
shift pas droit pour Laurent Nguyen. Allez, Laurent Nguyen Van. Finaliste en 2016, hein, on le rappelle. Allez, mais... Avec Aimé Courtois, dernière présence dans le carré mais... pour Aimé. Ah, mon pote. Oui, tu peux le gagner. Qui a envie d'aller chercher ce succès. On peut tirer tranquille, c'est pareil. Tu peux te la mettre aussi. Ouais, je peux te la tirer. Bien sûr. Je peux toucher le bouchon, tu peux tout faire. Hein? Allez, mais joue-la bien. Allez, grand. Essaye. Pas bien tiré. C'est pas grave, l'eau. Ouais, tu es juste pas droit. Bien tiré, c'est bon. C'est à la distance, c'est carreau. Bravo, Aimé. Bien joué, Aimé. Très belle reprise de nouveau d'Aimé. Pour toi, Kia. Tellement envie de rejoindre Jean-Michel Puccinelli. Ils en rêvent depuis hier soir, lorsque le tirage au sort a décidé de ne pas les opposer en demi-finale. Allez, premier tir malgache. Et c'est manqué. Là, avec quel foot, là ? Pour ta fita. Juste à tirer, monsieur. Mandri. Champion de Madagascar hein, en triplette en 2012. Allez, important de frapper ce deuxième tir. Et c'est fait. 2012, hein, ça veut dire que ce garçon avait 20 ans. Hein. C'était sacré quand même. Oui. C'est pas mal. Allez, pareil pour Laurent Nguyen. Quand on démarre un match, allez, un coup sur deux pour se lancer, c'est bien. Voilà, parfait. Alors par contre, déplacement de but, les Malgaches vont garder le point. Peut-être même deux, Guillaume. Alors on va observer avec attention, effectivement. Dommage. Pas garni là-dessus. Laurent Nguyen Van. Et c'est Emmanuel Viola qui va donc aller au cercle. Premier carré final hein, pour Emmanuel Viola qui s'était arrêté à deux reprises en quart. Voilà, c'est l'air d'être bon, man. Et oui, lui hein qui est Manu, tu fais jouer à Gréoux-les-Bains. Fais jouer. Dans les Alpes de Haute-Provence. Dommage. Ça part pas la bouche, elle était bonne, la mienne. Dont il a remporté d'ailleurs les derniers titres hein, sur individuel, là, les deux derniers, 2017-2018. Aïe 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 aïe. C'est grave, Manu. On a coupé un. Ah, c'est déjà un moindre mal. Coupé un voilà. Ouais. Ah bah c'est vrai, mais non. Ah bah je vais aller doucement. Allez bien. Allez gros. Pas trop aidé. Ouais, ça aurait été catastrophique de laisser les deux. Mais il va devoir tout de même jouer sa dernière boule. Oui, allez, il faut le gagner impérativement. Essayer de mettre un peu sous pression le milieu. James, qui est le plus jeune joueur malgache. Allez, c'est repris. Ça va, bien. Ouais, c'est bien ça. C'est bien de la part d'Emmanuel Viola. Il ne fait qu'un. Ouais. Et oui, James, en face, il n'a que 24 ans. Hein. Mets-toi, là. Mets-toi, là. Mets-toi, j'attends. Hein. Mets-toi, j'attends. Hein. Mais le seul gaucher. C'est leur première fois d'ailleurs en France, Marion. C'est assez de jeunes. Non, les deux jeunes du coup qu'on retrouve, oui. James et Tavita. Ouais. Oui, oui. James, il est arrivé il y a vraiment pas longtemps. Il est arrivé la semaine dernière. Voilà, il va passer 3 mois ici en France. Il va écumer tous les nationaux. C'est Solo qui les a fait venir tous les deux. Pour faire la tournée. Et croyez-moi, s'il venait à l'emporter avec, ici sur le Bucem, il vivrait 3 mois de rêve parce qu'ici en France, on adore les vainqueurs du mondial, la Marseillaise. Oui, puis je vous explique même pas le retour au mois de septembre. Oh là là. Ce sera digne du titre de champion du monde de l'an dernier. Il a perdu. On rappelle que les Malgaches sont les champions du monde en titre. Allez, alors, il lui a dit tu tires pour deux, donc il est en troisième position. Il faut y aller, il faut frapper. Alors, c'est loin, hein, on l'a entendu. Le but est à 10 m50, donc la boule est à 10 m pile. Allez, un tir à deux pour démarrer pour James. Oh, c'est tapé, quelle entrée en matière.
pour James Rakotoni Rina. Il y en a deux. Ça semble validé par Aimé Courtois. Oui, regardez, celle la vue magnifique depuis la tour finale. Je savais que j'allais me tromper, hein. Pourtant, Nico Mastras me l'avait bien dit, notre chef d'édition. Tour du Fanal. C'est, pour ceux qui connaissent, c'est à la pointe du Fort Saint-Jean. Et elle fait 30 mètres de haut. Merci pour ce petit guide touristique. Vous faites aussi les visites, Marion, de Marseille? Non, mais en tout cas, venez visiter Marseille. C'est très beau. Regardez cette particularité toute malgache sur le lancer du bouchon. Là, on retrouve vraiment la technique pour lancer le bouchon. Et on vient flirter. 10 mètres 07, messieurs. Il est trop long. Il y a 7 cm de trop. Allez. Donc très rapidement, entre 6 et 10 mètres et à plus d'un mètre de tout terrain interdit. C'est-à-dire de la ficelle qui est sur la ligne bleue qui encadre le terrain de jeu. Et on rappelle brièvement le dernier tour, hein, les derniers tours de solo à Sami Manana et de ses partenaires, hein, qui dressent la table de manière exceptionnelle. Vainqueur en huitième de Dylan Rocher, hein, on le disait. Et puis en quart, en 18 mains, le 13-8 sur Litos Baritel. Jean-Jacques et Tonnerre, donc les fameux noms ronflants dont on vous parlait en préambule, mais qui n'ont rien pu faire. Voilà. Et oui, Razana Dracoto et Randriana Sana. Qui sont des habitués, hein. On les a vus évidemment défendre dans les couleurs malgaches dans les grandes compétitions, les Masters évidemment, oui, et les grands championnats du monde. Et Jean-Jacques a même été, donc Razana Dracoto a même été champion, oui, du monde en 1989. 99, pardon, c'était sur l'île de la Réunion. Allez, très beau tir de Laurent Nguyen, reprise de solo, et Laurent doit s'employer une deuxième fois avec un carreau parfait. Magnifique. Super. Celui que l'on surnomme le Chinois ou le Bombardier de Marseille. Là, c'était le dernier. Et par contre, je l'ai mal prononcé, Guillaume, c'est Laurent Nguyen Van, il y tient. Les conditions de jeu sont parfaites, hein, en ce début d'après-midi. Oui, il fait chaud. Oui, les joueurs sont obligés de se rafraîchir. On voit, voilà, sur un coin, Aimé Courtois se mettre un petit peu d'eau sur la nuque. Mais il y a de l'air. On pourrait partir en contre-attaque, même si les adversaires ont deux points. Eh bien, on décide de pointer du côté malgache. Une belle reprise de la part de James. Peut-être pas si belle alors. Allez, on fait appel à Armand Roland. 37 cm et 8 mm. Allez, maintenant la boule malgache. 38 cm et 2 mm. Ouais, c'est plus long. C'est plus long. Le carreau de Laurent qui conserve donc le bénéfice. Allez, le maître de Monsieur Roland a parlé. On va tirer, attention d'être bien droit, surtout pas de contre. Voilà, c'est frappé. Il a fait ce qu'il fallait puisqu'il a fait sortir la boule de ses adversaires et lui il est resté dans le jeu. Les Malgaches ont une boule de retard. Allez, Manu Viola.
frappé. Allez, avec son style un petit peu caractéristique là. Il a forcé un petit peu son tir, mais ça fonctionne bien. Avant d'aller d'ailleurs remporter les titres dans les Alpes de Haute-Provence. Il était sacré hein, aussi dans les Bouches-du-Rhône en 2008. Allez, c'est repris de toute façon. Ouais, tout juste passé. On va tirer hein, du côté. Il faut tirer hein, du côté d'Emmanuel Viola. Hein. Non, il faut tirer, mais. Eh ben, et si je. Ah, pardon. Je t'écoute, mais vas-y, fais ton idée. Bonjour, Mathieu. Oui. Fais ton idée, grand. Allez, mais. Tu joues ça derrière. Derrière, c'est les deux. Allez, vas-y, gros. Allez. Allez, vieux. Comme tu veux. Allez. Allez, c'est Aimé Courtois qui a emporté le morceau. Hein, c'est on a discuté là. Entre... Voilà, moi j'aurais tiré pour faire jouer la dernière malgache. Bien faire, c'est tout. Je sais pas. Alors il s'est mis devant. Certes. Est-ce qu'on peut venir s'appuyer peut-être dessus sans faire deux. S'il a perdu, ils vont tirer, Guillaume, c'est sûr. Voilà. Et maintenant, là, c'est la pétanque est mathématique. Ils avaient trois boules pour en taper deux. Maintenant, ils en ont deux pour en taper deux. Voilà. Donc, ils se sont enlevés des chances. Sauf si Aimé Courtois l'a gagné, puisque Roland Armand va intervenir de nouveau. À nouveau. Il a déjà eu plus de travail sur cette seconde demi-finale que sur l'intégralité de la première. 67 et 8 mm. 67. 65 cm. 65 cm. 65 et 8 mm. La boule malgache derrière. 65. 62 cm et 2 mm. Le point est là. 62, 2. Sur la mienne, je pense. Je pense, c'est Aimé. Tu as tout pour toi. Tu as la tienne qui bat, tu as tout maintenant. Allez, je pense que c'est le jeu. On n'a pas tiré de suite. Attention. On n'a pas tiré, Manu. Elle est un mètre derrière la boule. Et non, pas un mètre. Bon, c'est pas grave. Elle allez, pas bien joué, c'est tout. Oh. Eh ben, fais jouer sa dernière. C'est pareil, tu me laisses boule d'avance. Allez, fais jouer sa dernière. Allez, mais fais plaisir, grand. Allez, si on a décidé de pointer, il faut le gagner. Il faut en faire deux. C'est important. Parce que la main, elle n'est pas payée pour l'instant. Voilà, c'est gagné. Si je le gagne, après, là. Si le gagne, si tu le gagnes, c'est bingo aussi. C'est tout. Si je le gagne, il ne peut même pas tirer. Si je fais un contre, on a trois boules. Mais le vrai jeu, c'est de tirer. Elle est un maître derrière. On a trois boules contre une. Il te laisse deux boules pour taper. Si je le gagne, je marque viré. On peut faire une balle à main. Il y a les deux joueurs. Oui. Bon, il y avait les deux joueurs. Ça continuera à discuter. Tu tapes. Elle est toujours la même. Elle est toujours la même. Elle était toujours. Si je le gagne, on a deux boules pour deux. Elle n'est pas toujours la fin. Parce que je l'ai perdu. Parce que je l'ai perdu. Si je le gagne, on a deux boules dans les mains. Il y a 10 mètres, d'accord, mais il y a 6 mètres. C'est très bien. Il peut tirer. Je vais le marquer sûr que de ne pas marquer. Elle n'est pas capable de faire les combos. Ouais. Eh ben alors. On n'a pas dit qu'on n'était pas capable. Eh ben voilà quand même. Elle est capable quand même. Explication entre. C'est tout. Voilà, entre Aimé Courtois et son tireur, Nguyen Van, chacun a exprimé sa position. Bien, bien. Il a bien joué. Quel coup de poignet à cette boule. Regardez. Voilà, il a bien serré le jeu. Ils sont remarquables de constance, de qualité dans leurs gestes. C'est pur. Regardez là, le regard fissé là sur sa boule. Et déjà, il sait, hein. Il sait que le travail est accompli. Ah oui. Et où elle va aller, hein. C'est ce qu'ils avaient prévu. Allez, Emmanuel Viola, pour rajouter un point et surtout pour égaliser à deux partout. Eh ben non. Non. Ça, tu t'en fais, hein. Il viendra attraper la boule malgache. Mais sans conséquence, l'équipe d'Aimé Courtois qui ouvre son compteur, hein, tout de même, dans cette demi-finale qui n'est plus menée que 2-1. Nous entamons la troisième main de cette seconde demi-finale. On revoit cette
dernière boule négociée par Emmanuel Viola. Pas de boule de rajout donc, pas d'égalisation, en tout cas dans un premier temps. Il va falloir remettre l'ouvrage sur le métier. Ah bah la prochaine fois je vais tirer, je demanderai à personne avant. C'est ce que je te dis, j'ai coûté mais. C'est pas que tu demandes à personne, c'est le jeu d'aller en cabane. Je vous ai demandé. Après, on a trop voulu un truc, mais enfin, c'est un Pas Allez les gars, il faut plus en parler. On a dit un point. Faut passer à autre chose. Mais surtout à cette troisième main. Ouais, c'est certain. Après, Laurent Guyenval, il a le mérite de dire ce qu'il pense. C'est Manu Viola peut-être qui n'a pas pris en fait, de décision. Parce que Courtois était seul face aux deux autres. A un peu pris la décision pour son équipe. Mais, encore une fois, c'est le capitaine emblématique. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On attendait peut-être même une colonie un peu plus importante de soutien à Aimé Courtois en cet après-midi. Oui, ça va arriver. S'ils arrivent dans une heure, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Vous voyez, moi je la vois un peu longue cette demi-finale. Je pense qu'elle va durer. Allez. Solo pour la reprise. Oula, oui. Oula, celle-là n'est pas jouée. Elle n'est pas sortie de la main. Évidemment, c'est au moment où nous louions la qualité et la constance de ces garçons. Il se manque à Sami Manana, licencié du côté de Saint-Herblain et dont on nous a annoncé un titre de champion de Suisse. Oui, parce que quand il est arrivé en France... Oh là là. Il a juste repris. Juste, hein. Heureusement. Il est arrivé en Rhône-Alpes, je crois. Et ensuite, il est parti en Loire-Atlantique. Voilà. Effectivement, d'où la proximité géographique avec nos voisins helvètes. Présent, hein, d'ailleurs, les Suisses. Comme de nombreuses nations, 27 nations étaient sur... la ligne de départ. Allez, fais la reprise. Dernier, on a vu un sympathique Allemand, notamment, atteindre les huitièmes de finale. Ulrich Moritz. C'est bien, là, c'est bien. Et évidemment, les joueurs de la grande île, eux, étaient en nombre, comme très souvent. Oui, il y avait des Américains et des Libanais également. Oui, c'est vrai, équipe libanaise. Allez, c'est repris de la part d'Aimé Courtois. On va aller tirer. J'aime bien. Du côté de Tafita. Est de plus en plus présent. Je ne sais pas si au niveau du terrain ça gêne. En tout cas, ça ne gêne pas. Tafita, Andrija Mandri. Ah, ça ne peut plus leur faire du bien, Guillaume, parce que le vent est présent, mais il n'est pas très fort. Voilà, il n'est pas gênant. Au contraire, ça aère. Mais tu as joué après, toi. Ouais, il a joué là. Il a joué là. Ouais. Ça va. Ah, c'est bien, mon gars. Il a pas Allez, vieux. Alors on prise, mais c'est bien. Ah, c'est perdu du côté de Manu Viola. Alors il a un coup de main, il a une sortie de main, elle n'est pas droite, elle n'est pas. Ah, tu sais, ça va vite, elle est plutôt rentrante, il faut qu'il en tienne compte. Allez, stop. Ah, c'est mon coup de main. Voilà. Eh Manu, c'est pas grave, annule-le. Donne direction du but. Allez, cette fois, c'est bien. Voilà. Voilà, bien, Manu. Voilà, bien, c'est repris. C'est pour toi, Manu. Ah, tu l'as monté, ça, là-haut. C'est mon coup de main. Il a le coup de main, là. Exactement. C'est bien, son bien, coup de main bien. Qui lui fait perdre la première. Ça a trop donné le coup. Tu as joué tout bon aussi. C'est là que tu l'as monté un peu, ça. Un poil. Allez. Un peu, là. Derrière, c'est parfaitement rectifié de la part d'Emmanuel Viola. Tafita. Il y a un endroit un peu épais. Pour garder l'avantage dans cette main. Allez, c'est tapé. Ouf. Le contre n'est pas passé loin. Exactement. Mais pour l'instant,
tout fonctionne pour le tireur de cette équipe. Juste à gueule. Ah, il va y aller. Allez, fais un effort, mon pote. Champion de Madagascar, en 2012, en doublette également en 2016. Pas mal de nationaux à son actif, Ajaccio, Bastia. Voilà. Bien, Laura. Ah, bien, voilà. Bien joué de la part de Laura Nguyen. Bien joué, Lolo. Enfin, super, Lolo. Bien joué. Il ne faut pas se faire piéger par le départ. Eh ouais. Hein. Bien joué, Laura. Mais passer à côté le compte, je te l'ai dit. Ils ont deux boules. Deux pour deux. C'est la merde. C'est des attaquants. C'est l'attaqué. On va là. Mais Courtois l'a dit, vous avez entendu Guillaume, c'est des attaquants, il a dit. Allez, il est gaucher, s'il est bien droit, il n'y aura pas de contre. Là, il a tout cassé. Donc, ses adversaires ont deux points par terre. Oh, les dégâts. Les dégâts. Causés par cette boule. Et les conséquences qui vont avec. Ouais. Quelle possibilité offerte, hein. On avait pour Laurent Nguyen-Van là, qui se concentre pour sa dernière boule à négocier. Et c'est perdu, mais il est venu se cacher. Eh ben Laurent. Allez, grand, force-toi. Voilà, là, il n'y a pas débat. Allez, on peut pas tirer. Gros. Allez, c'est allez, à la pointe que Laurent Nguyen-Van va donc clore cette troisième main. Cette boule de rajout. Ouais, il va passer derrière. Eh oui. Ce trou qu'il a peut-être fait sortir de sa trajectoire idéale. C'est le trou qui te le fait perdre. Suspense entier, en tout cas, dans cette seconde demi-finale, au contraire de la première qui s'était tout de suite, hein, dont on avait une idée assez rapide. Les deux équipes là se tiennent, sont au coude à coude, ça fait de partout. Bien joué, elle est bien jouée. C'est, tu as pris le trou, il n'y en avait pas. Où il est tombé en fait. Nous entamons la quatrième main ici au Mucem. Regardez ce cadre, il est splendide. Mais dis pas où tu veux jouer. Il sait jamais. Entre les deux équipes, qui pour rejoindre Jean-Michel Puccinelli, Figo Dubois et Tyson Molinas. Quoi qu'il en soit, ce sera une superbe finale à suivre. 20h30, hein, on vous le rappelle, sur paca.france3.fr et à vivre demain, vendredi, dès 9h50. Juste fait le tour de cour pour le moment. C'est pas grave, écoute, on a égalisé. C'est sûr, on passe devant, c'était bien. Voilà. Et puis vous aurez également la finale des minots, hein, sur le web, sur ce site paca.france3.fr. Bravo, un petit peu plus tard dans l'après-midi, en compagnie de Fred Soulier et de Karim Attab. Ouais. Très bien pointé de la part d'Émile Courtois. Alors, que va-t-on faire du côté de nos amis malgaches? Il décide de pointer. Allez, surtout ne pas venir se mêler à la boule d'Aimé Courtois. Ce point est à 15 cm du but. Très bien joué. Ouais, c'est bien, là, c'est bien, effectivement. Ça va permettre à son tireur de nous montrer à nouveau toute l'étendue de son talent. Elles sont sublimes, hein, ces images. Avec ses gestes totalement décomposés, hein, 1000 images secondes. Frappé. Ah,
On les avait quittés, en tout cas à l'antenne, lors de leur victoire face à Dylan Rocher sur un pourcentage au tir, mais juste incroyable. Bon, ça se poursuit, hein. C'était pas une surprise. Là, pour l'instant, 6 boules tirées du côté de Tafita, 5 frappées et 1 sur 2 du côté de James. On est parti sur 2 belles bases. Et en face, c'est pareil. Hein. 3 sur 4 dans un carreau pour Laurent Guyenne. Et une frappe pour Manu Viola. Bravo. Ouais. Bien joué. Hein. Super. Rémi Courtois dans ses œuvres. Bravo, grand bien. Ah, c'est une longue histoire d'amour pour Rémi Courtois avec cette compétition qui est le mondial de la Marseillaise, finaliste en 2016, demi-finaliste en 2013, quart de finaliste déjà en 1986. Mais pour l'instant, elle se refuse à lui. Allez, c'est frappé. Par contre, la boule d'Aimé Courtois est restée dans les limites du terrain. Tu peux le gagner encore, Tu peux le gagner, mon pote. Tu as joué là, toi, Aimé. De là, ouais, de là. Ah, j'ai vu. Hein? Allez, vieux. Allez, fais plaisir, gros. Allez, même maman, que tu approches, Manu. Je vais tirer, Laurent. Allez, approcher, mais le gagner, c'est encore mieux. C'est son coup de main. Je ne sais pas si on peut le voir. On va le revoir, hein, voilà. Pas douter. On aura d'autres occasions éventuellement. Ouais. Mais voilà, la sortie de main, elle n'est pas au top du côté d'Emmanuel Viola. Ou en tout cas, il n'en tient pas compte. C'est vrai. De main naturelle. Je vais jouer un peu plus haut. Je suis un peu en bas. Manu, tu as la distance. Ouais, il y a la distance, mais je suis en bas. Allez, pour l'instant. Allez, on a perdu l'avantage du coup, du côté de d'Emmanuel Viola. 3 pour 3 et le point à ses adversaires. Il est court à nouveau. Deux boules qui ne sont pas jouées par Emmanuel Viola. Attention, c'est l'avantage de la main qui est passé sur la boule précédente. Là, ça devient. Il n'est pas extraordinaire, mais elle est en pleine devant. Très problématique. Allô, essaye de taper, tu perds pas ton temps. Allez, on va tirer du côté de Laurent Guyenne Van. Voilà, on ne calcule pas, hein. Laurent, un peu de préparation. Yeah, ouais, c'est la bonne fois. C'est parfaitement réalisé. Il a envie d'aller la chercher, cette nouvelle finale après 2016, lui aussi. Je me suis laissé avoir. A envie d'aller décrocher. Ouais, la Marseillaise qui a déjà conquis l'Europétanque de Nice en 2013. C'était son année d'ailleurs, 2013. Celle où il a réalisé vraiment ses meilleurs résultats. Et pour revenir à la finale de la Marseillaise 2016, c'était contre du génie. Et oui, Chagnot, les Girondins. Ouais. Et Grandet et Didier Chagnot avaient frappé le but pour gagner. Allez. Une reprise assurerait la main, puisque il ferait jouer la dernière. Ah, c'est très très bien joué. Bien joué. Ah, ouais. Remarquable. Eh, oui, les boules vont droite. Eh, le lâcher de main est parfait. Et elle tire tout droit. Au contraire de celle d'Emmanuel Viola. Essaye à limiter, c'est pas grave. Hein. Allô. Tu peux gagner. Laurent, ma boule, elle te fait jeu, gros. Tu la passes, c'est pas loin. Certains doivent se poser la question, pourquoi ils ont tiré tout à l'heure alors que le point était moins bon que celui-là. Là, ils ne tirent pas parce que si Laurent Nguyen vient à taper sur le bouchon, il donnerait 2 points à ses adversaires, puisque s'il venait à sortir, les adversaires n'auraient même pas à jouer. Voilà pourquoi ils ne tirent pas. Zidane, si au jeu, tu l'as gagné. Il a bien serré en tout cas. Laurent Nguyen Van sur sa dernière boule. Mais les Malgaches ont ces deux boules pour se redonner un petit peu d'air au tableau d'affichage. Reprendre les commandes tout du moins. Ah,
Ah, on n'est pas rentré. Ça va. Voilà. Allez, c'est un il y a la galéo. À deux. Voilà. Allez, un tir à deux pour James. Voilà. Pour essayer de doubler son capital. C'est manqué. C'est manqué. Et il n'y en aura qu'un pour les joueurs de la Grande Île qui reprennent certes les commandes au tableau d'affichage mais qui ne mènent entre guillemets que 3 points à 2. La cinquième main débute d'ici une poignée de secondes. Occasion manquée pour les joueurs de Madagascar de prendre une avance un petit peu plus importante au tableau d'affichage. Allez, solo. Rassali Manana. Le capitaine de cette équipe, le pointeur de tête. Le but de la 5ème se trouve à 7m50. Je ne suis pas loin, Guillaume. Hein. Ouais, 7m50, ouais. Effectivement, annoncé, vous avez raison. Choix délibéré de la part des Malgaches ou là juste c'est au niveau du lancer de bouchon. Je sais pas. C'est certainement un choix. Allez, gras. Ça continue, gros. Allez, on arrive. Les gradins se garnissent hein, au fur et à mesure, ouais. Donc ça bouge un petit peu dans l'axe des joueurs. Allez, mais continue, gros. Allez, mais Courtois serait bien inspiré de le gagner et de le gagner en direction de la boule du pointeur malgache. Mais voilà, si c'est gagné, c'est parfait. Mais je n'en suis pas sûr. Je te parie pas. Et je parierai peut-être pour l'inverse. Joué, mais... Merci. Elle est très très bien jouée. Bien joué, hein. Bien joué ta boule. Ah bah, joue pareil, mais tu peux le gagner. Et puis si tu restes pareil, on tirera. Allez mon grand, joue la même. Allez, bien joué ta boule. Allez, de jouer. Ça n'y joue rien. C'est deux boules là du côté d'Aimé Courtois. T'as le bonheur de rester devant, là, je sais pas. Hein? Et si tu as le bonheur de rester devant les boules, je sais pas. Eh oui, je peux arriver. C'est loin. Allez, mon vieux. Allez, mais. Pas pour aller. Je sais, héros. Allez, vieux. Bien joué, hein. Juste rectifier. La distance est bonne. C'était royal. Ah ouais. Il faut. On veut bien la main. Bien. Jouer un petit peu plus à droite. Ah, il est court. Ouais, la rectification. Oui, allez, mon pote. Appelez de vos voeux. Elle n'a pas eu lieu là pour Aimé Courtois. Oh, c'est rare quand même, deux boules comme ça qui ne sont pas jouées. Hein. Eh oui, il l'a perdu deux fois. Ça me paraît sûr. Allez, Laurent, viens de allez, Loire. Hello. Allez, garçon. Bravo. Allez, c'est tapé. Et pourtant. Tiré, c'était alors. Pas un tir oh, évident hein, pour Laurent Nguyen-Van là, avec ses deux boules côte à côte, digne d'un atelier de tir de précision. Hein. Eh oui. Hein si ça va aller, Laurent, si je l'ai gagné, regarde si je l'ai gagné. Voilà. Comme s'il vient Laurent. Un peu de pouce, je suis pas allé derrière. Si je le gagne, c'est pas un deuxième, je suis court. On attaque un peu. Si jamais, on peut la réussir. Bien sûr. Allez, si les oranges frappent trois fois, ils n'en perdront pas énormément dans cette semaine parce que le coin d'Aimé Courtois n'est pas facile à gagner. Il peut se perdre une ou deux fois dans cette semaine. En tout cas, lui a fait sa main. Ah oui, oui, oui. Salué comme il se doit là par les quelques supporters hein, qui
sont derrière les joueurs de la grande île. Ça va suffire pour Laurent Nguyen Van, qui lui aussi réalise une main pleine. Ouais, c'est bien, comme l'a dit Emmanuel Viola, c'est bien, rien n'a bougé, il n'a pas eu de contre. Alors on peut partir en contre-attaque du côté de nos amis malgaches. Mais pour cela, il faut frapper 4 fois pour marquer. Allez, on pointe. C'est la première. Voilà, sur les trois boules que vous voyez, les deux plus près du but sont à l'équipe de Démé Courtois et la troisième est à l'équipe de Madagascar. Wow, c'est très bien, superbe. Alors, Guillaume, oui, j'ai une petite boule très importante dans les mains d'Emmanuel Viola. Il faut qu'il frappe plein fer, faire sortir le but. Sinon, ça pourrait scorer cher pour ses adversaires dans cette main. Et oui, on n'est pas bien, on l'a entendu. Et non. Voilà. Il a frappé, mais pas au fer. Moi, j'ai on voit que le geste n'est pas naturel et encore elle se donne, bien. On a sauté là quand même. Oui, c'est son style. Hein. Il est juste un peu court. Voilà, il est juste un peu court. Allez. Maintenant, on va tirer. Tafita va tirer à la boule, à la première boule d'Aimé Courtois. Vous voyez, elle n'est pas mieux tirée celle-ci, hein, mais c'est plus donné. Mais bon, il la sort, il fait le travail. Ouais. Vous avez raison. Alors, les Malgaches ont le point par terre. Le point est à environ 70-80 cm du bouchon. Ensuite, Aimé Courtois a deux points par terre qui sont très larges. Un à 2 mètres devant et l'autre à 3 mètres environ. Oh, attention. Ouais, c'est repris. Ouais. C'est repris. On va traverser là. Allez, Tafita pour la marque, se tire au 2, puisqu'on ne l'oublie pas, il reste en une boule encore dans les mains de James. Et s'il vient la cadrer, c'est-à-dire faire un palais sur une superficie de 2 mètres, eh bien il peut en faire 3 et prendre un peu le large. Oh oui. Ils sont là, hein, les artilleurs malgaches. Si on a le bombardier marseillais dans les rangs des polos orange, en la présence de Laurent Nguyen Van. Ils sont assez impressionnants, les joueurs de la grande île. On comprend un petit peu mieux aussi hein, leur parcours. Cette arrivée dans le carré final. Ça joue très très juste. Cette boule de rajout n'est qu'une formalité. Et donc, les malgaches prennent 2 points supplémentaires, prennent encore un petit peu plus d'avance au tableau d'affichage. Ils mènent désormais sur le score de 5 à 2. Allez, toujours ce lancer de bouchon si particulier. Là, regardez, hop, entre le pouce et le majeur, là, en l'occurrence, concernant Solo, Sami Manana. Diablement efficace. C'était
Allez, c'est bien pointé. Voilà, ça c'est des boules quasi parfaites. 50 cm devant le but, ça oblige l'adversaire à tirer. Et elle est pile poil devant le but. Allez, Laurent Nguyen Van. Allez, qui frappe. Palais. Tirez droit. Tirez droit. Les stats au tir sont quasi identiques. Le joueur marseillais a tiré 8 boules, il en a tapé 7 et un carreau. Le malgache en a tiré une de plus, soit 9, et il en a frappé 8. Donc au tir, on se tient. Et la différence pour l'instant, elle se fait sur le poste, sur le point. Voilà, entre Emmanuel Viola et Aimé Courtois, on est un peu moins performant que ses adversaires. Allô. Carreau pile. Oh, il est beau. Il est beau. Ce carreau de Laurent Nguyen Van. Allez, de quoi réveiller un public peut-être un petit peu endormi par ce fort rythme-là imprimé par les joueurs de la Grande Île. Qui voilà, sont tout à leur main, ne sont pas bousculés justement par ce public qui serait assez logiquement plutôt acquis à la cause des Mécourtois et des siens. Alors c'est frappé, un seul point par terre pour ses adversaires. Carreau de Laurent Vienne permet donc à son équipe de prendre l'avantage dans cette main. Ça fait beaucoup de bien en effet. C'est qu'il y a pointé derrière. C'est qu'il y a pointé derrière. Dans le DTV. Allez, on va jouer la quatrième du côté malgache. Alors, sur les deux tirs du Marseille. Allez, Manu Viola, il faut qu'il se double impérativement dans cette main. Il faut qu'il laisse Aimé Courtois avec deux boules contre une. Et ça serait la marque assurée. Allez, aïe. Ah, cet avantage, il fallait le conserver là. Il vient d'annuler le carreau de Laurent Nguyen Van. Ah, bien tu veux. Allez, c'est le meilleur devant, Aimé. Bah, je sais, monsieur l'arbitre. Roland Armand qui fait son travail. Allez, Aimé, tu peux venir devant encore. Qui indique qu'un trou a déjà été bouché. Aimé Courtois. C'est très bien. Voilà. Prévenu. C'est très bien fait, effectivement. Allez, il faut le reprendre. Aimé Courtois et ses partenaires ont encore la boule d'avance, mais il faut reprendre ce point. Ah, il est court. On va le voir certainement sur sa sortie de main. Deux boules. Il a un fouetté. Peu fouetté, comme on dit. Ah, il va jamais se perdre celui-là. Il ne faut pas laisser passer pas bon, ses occasions. Hein, tu passes ta boule et tu tires après. Sur la mienne. Ah ouais. Ma faute, hey, c'est pas taper. Tu veux faire quelque chose, hein? Tout pareil, hein? Ah, je joue sur la mienne. Voilà, sur la tienne, ouais. Regardez, je passe la tienne, face. Tu la manques, tu peux gagner le point. Aimé Courtois. Allez, bien. Bon. Solo. Rassami Manana. Et voici, bonhomme. Souriant. Qui pour l'instant. Ah, ça se joue à rien. Prendrait le dessus. Demain. Est-ce que ça se confirme? Faut les tirer, les boules. C'est perdu. Eh oui, ça se confirme. Justement, cet avantage. Il faut les forcer. Champagne, j'envoie entre les deux. Tout dessus. On va face aux boules. Je les joue correct. Dans les boules, faut pas mailler fort. Hein. Je les joue normalement. Comme moi, man. Parce qu'elles sont bien, c'est pour la laisse venir. Non. Je joue dans les boules. Manque tout. Elles sont bien, tes boules, non? Pas plus fort que le jeu, Manu. Manu. Allez. Hey, tu fais faire un tampon, on ne sait pas.
envoyé ici, mais... La main a été complètement renversée. Laisse venir, Manu. Il y a du sable. Laurent Nguyen-Van avait fait jouer 4 boules avec les deux siennes. Et là, Viola Courtois joue 4 de rang. Qu'est-ce que ça donne, ça? On est en train de faire une muraille, mais enfin... Une muraille qui n'est pas vraiment infranchissable. Hein. Non, mais enfin, c'est pas le but du jeu. Hein. Non, bah, il faut c'est les pour gagner, ça. Les points. J'ai joué comme ça, j'ai pas joué pour le jeu. Donc, 45 cm et 1 mm. 45 cm et 1 mm. La deux malgache arrière, 45 devant. 42 cm et 4 mm. Il est malgache, il est derrière ce point. Alors le point est malgache, voilà. Ça fait donc 6 à 2 par terre. Il reste une boule dans les mains de Tafita et une boule dans les mains de James. Et je sentais la mi-partie. Le James Bond, c'est son surnom. Alors, il faut en faire deux, Guillaume. C'est indispensable. Alors lui est avantagé, il est gaucher, il faut qu'il se bouge. Voilà, regardez le positionnement dans le rond. C'est très intéressant. Il s'est mis au bord du rond, il s'est ouvert l'angle. Voilà, il va lui donner un petit coup de main. Wow, c'est parfait. Wow. Alors en plus, voilà, il se l'emmène de, parce que y a chance qu'il va bien. Il n'y a pas de risque. Ah ouais, bon. Ouais, il était long. C'est sûr, il était long, mais il se l'emmène. Bon, voilà. Alors là, il l'a fait encore plus beau qu'il ne l'était. Oui, alors c'est pas ce qu'on lui demande de faire. On lui demande simplement de rajouter. Il l'a fait avec un peu de réussite, mais il a surtout rendu la tâche facile à son partenaire. C'est ça. Qui va certainement rajouter un troisième assez facilement. Et non, vous voyez. Allez, c'est payé en tout cas. Il fallait cette boule de rajout à minima, 2 points supplémentaires. On atteint donc la mi-partie pour les joueurs de la Grande Île. Et le public donne de la voix pour réveiller Aimé Courtois et les siens, quelque peu apathiques dans cette demi-finale. Allez, on va tourner une très courte page de publicité et on revient pour la suite et la fin de cette rencontre. Allez, vous qui êtes restés avec nous et qui nous suivez, tout simplement, hein, on va faire comme ça, cette rencontre en notre compagnie sur paca.france3.fr, eh bien, vous ne manquez rien de cette rencontre. Pour l'instant, les Malgaches sont toutes à leur main. Un bouchon pour cette septième main à 7,50 m. Ouais, et si d'aventure les Malgaches venaient à perdre 13 à 12, eh bien Tafita s'en voudrait de ne pas avoir rajouté ce point qui était très large. C'est certain. À la sixième main. On va le garder de côté, Guillaume, ça. C'est bon jamais. Dans un coin de notre tête, en effet. Ah, mais non. Descends dans la mienne. Ah, mais fais-en venir une. Allez, Laura, je me réveille. C'est moi qui dors. Bien. Allez. Essayez de le gagner. Ouais, c'est bien. Ah voilà, voilà le Aimé Courtois que ses supporters attendent, que l'on attend tous d'ailleurs pour la tenue de cette demi-finale. Ça passera par là en tout cas, s'il veut aller chercher cette première victoire dans la compétition. Allez, Tafita au tir. Palais, déplacement de but. Allez, ça chahute un peu dans les tribunes, mais ce sont des encouragements. Hein. Allez, rappelle-toi.
Le but se trouve maintenant à 9,80. Bravo, Emmé. Allez, fais la pointe, Emmé, pour toi. Voilà, voilà, ces deux boules jouées. Bien joué, mais. Qui permettent à son équipe de tenir tête à ces malgaches. Décidément. Non pas surprenant, mais qui éclate aux yeux du grand public. Ceux-ci, hein, en tout cas, ces noms-là. Ouh, il n'est pas droit. Allez, c'est manqué. Sur coup qui ne sont pas joués par les malgaches qui offrent peut-être une grande opportunité de retour pour leurs adversaires. Voilà. Des malgaches en fâcheuse posture à l'occasion de cette septième main. Regardez plutôt, il ne leur reste plus qu'une boule, pas de reprise. À nouveau, on va jouer toutes ces boules du côté des joueurs de la grande île. Il en reste 4 dans les mains de la triplette Courtois. Et oui. Un échec au tir. Un échec, puis un deuxième, puis un troisième au point. Voilà. Emmé Courtois et ses partenaires vont avoir 4 boules pour clôturer cette main. Aïe. Et essayer de revenir à hauteur de leurs adversaires. Allez, nouveau tournant dans cette rencontre. L'occasion peut-être de sortir les polos orange de leur léthargie. Qu'ils se lancent véritablement, qu'ils ne voient pas cette demi-finale passer sans en être acteur. Peut-être un petit peu à l'image de Marco Foyo ce matin. Pas du grand Marco d'ailleurs, hein, pour être tout à fait honnête, mais plutôt de Chris Elfrick et de Jean Moineau Feltin. Ce sont ces Indiens qui sont un petit peu passés à côté de leur demi. Hein. Ah oui, Marco Foyo a fait sa partie. Voilà. Il a bien joué. Allez, fais l'effort, vieux. Fais l'effort, fais l'effort. Allez. Malheureusement, Chris Elfrick n'a pas élevé son niveau de jeu. On l'avait vu à 50-60% dans les allées du parcours élite. Il n'a pas fait plus ici sur cette magnifique esplanade du Mucem. Allez, Emmanuel Viola, montrez la voie. Allez, il y est celui-là. Toujours les trous qui nous le font. Vous voyez celui-ci ? Celui-là. Il ne doit pas y être. S'il n'y a pas le trou, tu l'as mis, hein, Manu. C'est pas long, hein. Elle est bien jouée, Manu. Elle est pas mal jouée, pas. Change rien, Manu. Allez, vas-y, c'est bon. Eh oui, mais il y en a quelques trous qui se forment aussi au fur et à mesure des parties, hein, mine de rien. Première demi-finale, finale du Grand Prix féminin. Et il est dur. Oui, il est dur. C'est du béton. Allez, s'il en met un, c'est bien joué. Cette opportunité, elle est énorme à ce stade de la compétition, à ce niveau de jeu. C'est pas grave, allez. Et on va demander une nouvelle fois à Laurent Guyenvan
lui le bombardier. Robin, je voyais la boule, à la sortie. D'être irréprochable à la pointe, d'être complet. Et oui, et c'est une obligation pour lui, parce qu'ils ont un point par terre, là, le score actuel 2 à 7 plus 1, ça fait 3. Je la voyais bien jouer, mais c'est là. Faire 3 points dans la main pour prendre un peu de la confiance et pour qu'elle soit payée, c'est un minimum. Il est rentré. Alors lui, il est rentré. Il est rentré ? Oui, mais il va peut-être avoir un tir à 3, mais à la sauter. Ouais, Laurent, tu es rentré. Ouais. C'est rentré, l'eau. Je vais tirer. Et il va tirer. Donc il va tirer la boule qui a la sauter, celle qui est devant légèrement à gauche. Ouais, mon chinois. Allez, grand, continue, toi. Allez. Voilà. Voilà. Pas évident. Allez, là, c'est un autre atelier de tir de précision. Alloué. Un tir à 3. Allez, bien, levez le bras, Laurent. Il est court. Un seul point. Eh bien, dites-moi, c'est loin d'être payé. Les deux boules de Manu Viola qui ne comptent pas. Les deux boules de Laurent Guyenval qui ne comptent pas plus. Aimé Courtois réduit la marque, certes, mais ne s'en sort pas. Ils sont toujours menés 7 à 3 par les Malgaches. 7 à 3. La bonne mère, la fameuse qui veille sur cette 57e marseillaise. Je voyais taper quand même, pas droit. Mais si elle a été peut-être positive, elle a pu bénir la première triplette marseillaise du jour. Je vais bien sûr parler de Jean-Michel Puccini, de Thaïs Molinas et encore plus de Vigo Dubois. Bah, là, elle fait peut-être un petit peu moins son travail sur cet après-midi, sur cette deuxième demi-finale. Jamais sur deux et toi sur deux, on fait trois. Bravo, Emile. Allez, c'est bien joué de la part d'Aimé pour toi. Dommage. Allez, 9,60 hein, sur cette main. Allez, Tafita reste sur un échec. Allez, c'est chiqué. Bien. Un peu plus de difficulté là dans le jeu. Pour les Malgaches, sur la main précédente et sur ce début de main. De là à ce que la partie tourne, on n'en est pas encore là. Ah ouais, on aidera. Il y a quelques manqués qui peuvent offrir une possibilité de remonte. Ils les ont eu les opportunités, ouais. Hein, Guillaume. Oui, oublié, hein, vous avez raison. Voilà, c'est ils vrai, les ont eu c'est vrai. À cette main 7. C'est vrai. À chaque fois que les Marseillais ont marqué, ils ont marqué trois fois un point dans cette partie, mais ils auraient dû en faire beaucoup plus à chaque main. Allez, solo. Donc nous atteignons tout juste l'heure de jeu dans cette seconde demi-finale. Ouais, c'est bien joué. Bien pointé. Ouais, il est à hauteur. Allez, Laurent Bienvan, il reste sur un échec. Ouais, c'est bien tiré. Il fait une très très belle partie. Oui, oui. Parce que tout de suite, il se remet la tête à l'endroit. Nous avons débuté cette rencontre. Une heure de jeu. Bien le ramener. Allez, attention à ce trop rebouché. Normand qui a été à nouveau très, très vigilant. Avant que Solo ne vienne à tenter de reprendre ce point. Ce qu'il va faire encore une fois de main de maître. Quelle belle reprise. Allez. Continuez sur le même tempo. Voilà. C'est vraiment bravo, du niveau de Suchot, du niveau de Tyson Molinas, du niveau
de tous ces grands tireurs qu'on a vus tout au long de la semaine. On s'est régalé. Hein. On s'est régalé de ce point de vue-là. Et j'imagine que vous aussi, devant vos écrans, que ce soit sur France 3, Provence-Alpes, Côte d'Azur, sur vos smartphones, vos téléphones portables, vos tablettes ou vos ordinateurs, sur paca.france3.fr. Alors que l'on voit les reprises au point des milieux. Donc Emmanuel Viola est un petit peu en dessous que son adversaire direct. Et au tir, c'est également la même chose. Donc pour le moment, la différence se fait au poste de milieu. Sur le tir et la pointe, c'est sensiblement identique. Et c'est frappé par Emmanuel Viola. Avec un geste qui m'a semblé peut-être un petit peu plus délié que précédemment. Moins en force, regardez. Voilà. Avec le bassin en arrière, là, comme il s'était cambré sur le début, c'était moins délié. Il le dit d'ailleurs, ouais. j'ai moins forcé. Allez, deux boules à deux. Belle reprise. Ah oui, de James. Ah, ils vont les forcer à ne pas manquer. Hein. Ah oui, ils vont les forcer à ne pas manquer jusqu'au bout. Allez, 3 sur 4 au tir pour le moment pour Emmanuel Viola. Il faut frapper cette boule pour laisser l'opportunité à Aimé Courtois de conclure la mer. Oh. Oui, c'est ça passe. Ça passe. Je voyais mieux que ça, c'est pas donné. T'as bien tiré, t'as tapé. Ouais, c'est pas donné. Hein? Je voyais mieux que ça. C'est vrai qu'elles rebondissent énormément, hein, les coups d'Emmanuel Viola. Il y a des endroits où il y a un petit peu plus de gravettes qu'à d'autres. Et là, là où la boule était positionnée, il y en avait très peu devant. Donc il fallait tirer au fer pour faire un palais. Mais il a très bien tiré. Ils ont déjà tapé 4 fois dans la main. Tout à fait. Oui, ouais, bien sûr. Allez. Voilà, reprise a été faite. Ouais. Et Aimé Courtois va se retrouver avec une boule de marque. Que va-t-il décider de faire? Oui, parce que là, il y a un petit peu d'espace quand même. Allez, on met droit. Allez, il va tirer. Il va tirer? Oui, oui, il est parti au rang, comme on dit, chez nous, très volontiers. Allez. Ouais, c'est frappé! Il n'était pas loin de rester. Il n'était pas loin de rester. Je sais pas. Ce point. Alors, il y en a 4-2, je crois sûr. Il y en a un sur. Ouais, un minimum, ouais. Et on va. Alors, il y en a un. Il y en a deux. Il y en a peut-être deux. Attendez. Alors, on va faire la mesure. Il y en a un, c'est sur certitude. Courtois, ça va être triplette, vont monter à 4 minimum. Et on va faire appel au duo arbitral. Ça, oui. 134 mm. 136 et 1 mm. Allez, un seul. Allez, un seul point, mais qui suffit en tout cas provisoirement au bonheur de cette triplette Courtois qui remonte, qui n'est plus menée que 7 points à 4. Allez, nous l'avons, l'affrontement que nous attendions de nos voeux à l'occasion de cette demi-finale. Aimé Courtois, ici à l'image, pour aller chercher une nouvelle finale et potentiellement un premier succès dans son concours, accompagné, équipé de Laurent Nguyen Van et d'Emmanuel Viola. Mais voilà, sur son chemin, sur son chemin, les joueurs de la grande île. Attention, Laurent. J'en ai tiré une en 3 jours. Allez. Oui, attention de ne pas sortir trop vite du cercle. Voilà. Mais comme il le dit, moi, ça fait 3 jours que j'en ai pas tiré une. Alors moi, mon geste au tir, il n'est peut-être pas aussi habituel que pour les tireurs de tête. Ça, je suis la première romaine. Allez, on le voit, 9 sur 14, les stats identiques pour les deux pointeurs. Ça. Il y est le match, il y est. Bien. C'est très bien pointé. On est en deçà de 8 mètres là.
Voilà, et au tir également. Plus voilà. 12 sur 13. 10 sur 13, 10 sur 12. Donc ce sont des stats identiques pour l'instant. On a vu où est-ce que la différence se faisait. Il s'est frappé. Non, il va pas sortir. Il va pas sortir. Il va pas sortir ce bouchon. Alors, Palais du côté malgache. Mène à un gros danger. Il se présente désormais. Allez, il doit y avoir 13 mètres là, je pense. 12,50 peut-être. Allez, grand, essaye encore. Tu viens mettre devant, c'est bien. Hein. Ah, mon frère. Pour le faire au bon, alors. Prends le risque. Oui, oui. Hein, Manu ? Hein ? Prends du risque. Oui, ah, j'en ai encore deux. Prends-le, le risque, mais. Alors, prise de risque. Allez, mon grand. Pour Aimé Courtois. Oui, ça va aller sortir. Il est là devant. Non, mais on a 4 boules. Je pense que... Allez, mais. Tu restes. Hein. 50 devant, c'est bien. Hein. C'est pas le jeu de prendre des risques. Aimé doit jouer pour rester un mètre devant. C'est pas à lui à prendre des risques. Ouais, il les a, il en a pas pris. Non. Alors là, il était parti pour en prendre, oui, mais finalement il s'est ravisé. Voilà. Tu as pris le risque, gros. Le bras n'a pas fonctionné avec le cerveau. À un moment donné, il y a quelque chose qui a dû lui dire. Ça arrive, ça arrive, ça arrive à tout le monde. Allez, c'est pas grave. Mais ça s'appelle la crainte. Oui, mais qui, il vaut mieux ça que d'aller se noyer. Noyer. Ah, voilà, exactement. Oui, oui, mais à l'arrivée. D'accord. À l'arrivée. Pas ça, man. Non, pas ça, je te dis pas de ta tape. Les muscles se tendent un petit peu, se raidissent. Et la boule ne part pas aussi bien. Et ça aurait pu l'être. Ouh, allez, c'est repris. On joue à gagne-terrain là. Hein, pour chacun vient prendre 10 cm à l'autre pour reprendre ce point. Eh oui, mais en tout cas il fait jouer, bien sûr. Et c'est bien ce qu'on lui demandait. Ah, tu le fais à 50, tu les joues. Eh oui. Encore ça va, il a pas fait bon. S'il a fait bon, Manu. Aïe 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 aïe, oh, c'est bien, c'est bien, voilà. J'ai joué, mon pote. J'ai joué, mon pote. Bon. Une heure, mais déjà, t'as vu ? Une heure, qu'on joue de moi. Ça fait... Une heure... On est 4 à 7. Allez, ça ne vous a certainement pas échappé. C'est un concours normal. C'est Tafta qui va jouer sa deuxième boule. Donc le tireur va pointer pour laisser deux boules au milieu. Parce que si d'aventure il vient à mettre un point pas trop mauvais, ils vont pouvoir tirer les malgaches et peut-être tirer deux fois. Ah, là, il se noie. Il se noie. Il se noie solo. Sami Manana. Je pense qu'il manifeste un petit peu plus. On espère que ça reste dans les limites du sportif. Alors on va pas saluer une boule qui se noie. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Allez, par contre. Ah, la déception là. C'est... Les images sont superbes. Que ce soit sur les mouvements ou les expressions des visages grâce à cette super loupe. Allez, surtout ne pas se noyer. Là. Il ne s'est pas noyé. Mais il se casse les dents. Tout de même, les malgaches. Sur cette ligne de perte. Et sur ce jeu longue distance. Allez, Sander. Allez, Sandia. Allez, deux boules contre trois. L'important, c'est d'y venir prêt.
tir. Oh là. Ah ben là, je suis surpris, je m'attendais vraiment pas. Quand je m'en pris au dépourvu, là, je m'attendais pas à ce qu'ils tirent parce que leurs points n'ont pas l'air très très bons. Olesia. Un sur quatre pour l'instant pour James au tir. À nouveau, il reste trois boules désormais sur les mains d'Emmanuel Piola, de Laurent Nguyen Van. De nouvelles opportunités. Et oui, le cinquième est par terre. Trois boules en main. Ils sont là, les chaudouillants. Allez, allez, man. Chaudouillants, ses supporters. Allez, il faut rajouter. Il faut que Emmanuel Viola mette le sien, déjà. Oh oui, il le fait. Et de quelle manière? Quatre boules consécutives, très bien jouées par Emmanuel Viola. Deux au tir à la main précédente, deux au point maintenant. C'est ce qu'on attend d'un rôle de milieu. Exactement. Et là, il le remplit parfaitement. Ah, et ces occasions qu'ils sont en train de prendre cette fois. Oui, il rentre lui aussi, Laurent Nguyen Van. Il y en a trois par terre. C'est l'égalisation désormais à cette partout déjà acquise. La possibilité de prendre les commandes. Marion, peut-être voilà, oui, la première fois non, de cette rencontre, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça serait mérité pour Laurent Nguyen Van, qui pour l'instant est impérial. Oui, c'est un beau symbole. Vous avez tout à fait raison. La victoire est encore loin. Ça, c'est une certitude. Mais c'est un premier pas très important. Une première étape de franchie avec la reprise du score, tout simplement. 8-7 désormais pour Aimé Courtois et ses partenaires. Voilà, bon, merci. Ah oui, le pouce levé de Manu Viola qui salue le travail de Laurent Nguyen Van. Alors d'ores et déjà, je vous préviens, on est ensemble sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur pour une dizaine de minutes. Nous n'en sommes qu'à la mi-partie, donc vous connaissez à présent la mécanique. La fin de cette rencontre, vous la suivrez sur paca.france3.fr. Paca.france3.fr, ça s'affiche sur votre écran. Pour suivre donc la fin de cette seconde demi-finale et je vous le dis d'ores et déjà, la finale des minots, mais surtout la grande finale à 20h30. Une grande finale que vous pourrez revivre. Allez, grand, continue. Allez, quasi dans son intégralité. Demain. Allez, papa, allez. Sur France 3, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Sur le coup de 9h50. Ce sera votre rendez-vous habituel. Ouais, comme, bravo encore. Durant toute cette belle semaine que nous avons passée ensemble. Allez, encore très bien pointé du côté. Bien joué encore. Hein. Bravo. Aimé Courtois. On est là, on a recollé. Allez. On est là, on a recollé. Ils sont même passés devant. Et du côté malgache, on va tourner. Parce que pour l'instant, James n'est pas performant dans son rôle de milieu. Même s'il ne tire pas bien, il en est qu'à 1 sur 4. 25%, on l'a vu à la main d'avant. On va prendre le tir. Voilà, carreau. C'est là où ils sont totalement imprévisibles, ces malgaches. Ah, ils savent tout faire. Et très bien. C'est vrai que tout de suite. Allô, je te dessus, tu vois. Le fait de tourner. Allez, merde. Et couronné de succès. Hein ? Ah, là, c'est pour emprunter la main, là. Oui, souvent, le milieu a les boules à la fin de la main, les boules importantes, et il ne les joue jamais bien jusqu'à présent. Mm-hmm. Donc, on décide de lui. De le faire alléger. Alléger son fardeau. Encore, allez. Voilà. Allez, on aurait pu partir en contre-attaque, c'est pas loin, du côté d'Aimé Courtois, mais on préfère pointer. Attention à la grosse main. Boimé. Ah, c'est parfait. Voilà, alors là, il n'apprendra pas la grosse main, puisqu'il a embouchonné. C'est parfait. Bien, frérot, bien. Bien, bravo, Boimé. Super bien joué, ça. Allez, ça.
On va là. Ouais, ça y est, hein, il est au sommet de son art, Aimé Courtois. Loin de s'être affolé, comme à son habitude. On va là. Caché derrière ses lunettes, sous sa casquette vissée. Allez, il est gaucher, peut-être que le but ne va pas sortir. Arrête. Bien vu. Allez, en tout cas, il a fait son job. James Bond, Rakoto, Nirina. Vous croyez qu'ils sont capables de cadrer encore 4 fois, Guillaume ? Ils le sont, on l'a vu déjà. Là, c'est quand même très loin. Allez. Plus de 12 mètres hein, désormais. Il faudra cadrer. Et en plus, ce seront des tiers longue distance potentiellement pour les Malgaches. Allez, c'est bien pointé du côté de Manu Viola. Ouais. Le joueur du 04 s'est mis au diapason de ses deux partenaires. Et maintenant, ça développe du jeu. C'est bien. Ouais, il fallait qu'il soit au niveau de ses partenaires pour revenir dans un premier temps et peut-être aller chercher la finale. Allez, quasiment 100% marseillaise. Solo. Ouais, ils ont un coup de moins bien. Ils ont un coup de moins bien dans leur ensemble. Les Malgaches. Solo. C'est complètement perdu. Rajalou là va. Ah? Rache. Rajalou lequel? Tara l'autre. Arina l'autre liste, la samane. C'est une tarajal de tamle. Tarajal. Arina l'autre de porte. Allez. Faire la reprise. Ils sont 3 boules à 3. La main n'est pas perdue. Voilà, c'est fait. Là, il a bien forcé. Hein. Il a bien forcé. Deux boules. Eh bien, a pris également de sa main précédente. Alors que les chapeaux continuent de s'envoler. Au fur et à mesure que la puissance du vent croît. C'est le cas également pour les Oriflammes. Je vais la laisser venir un petit peu. On est très certainement dans le micro. Laisse venir. Le vent qui souffle de plus en plus fort. Allez, Manu. Et je vous entends de moins en moins, Guillaume, avec ce banc. Allez, je ne vais pas pouvoir hausser le ton de ma voix parce qu'il faut, s'économiser jusqu'en soirée. Allez, il y avait la possibilité de tirer du côté de Laurent Bienvan, mais on préfère pointer sur cette phase de jeu. Tu peux tirer les deux opportunités sont bonnes. Il faut le gagner, on ne commence pas. Allez. Encore un peu de place, hein. C'était pas si évident que cela. Hein. On a vu Solo se perdre. Dommage, j'avais pas essayé de faire. Elle n'est pas sortie du coup. Emmanuel Viola. Allô, c'est pas loin pour toi. Fait de même. Allez, frère. Allô. Allô. Il n'est pas bien sorti. Je t'ai dit. Quand on monte, elle est venue droite. Allez, est-ce qu'il va tirer Laurent Bienvan ? C'est belle à jouer. Et oui. Allez, deux en frappant. Aïe. Il est droit. Ouais. Un petit peu court. T'es droit, hein, Laurent ? Ah, je suis court. Ouais, mais t'es droit. Hein. Ouais, court, mais droit. Doucement, tu peux le gagner. On est d'accord là-dessus. Eh ben, essaye, Olo, toi. Fais pas l'erreur que j'ai fait moi, t'as vu ? Je l'ai trop monté. Je l'ai gardé dans le cou, moi. Allez, Laurent. Indécise. Ah, boule, tu fais jeu, t'as vu ? Dixième main, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça passe dans le cou. Allez grand, joue la bien toi, tu as bien pointé, allez grand, essaye. Mais il faut qu'il joue dans la lunette, voilà. Vous voyez les deux boules blanches. Hello, tu peux le gagner encore. Les deux boules blanches de son partenaire. Il faut qu'il joue entre les deux. Laissez un peu venir. Allez. Si il fait la reprise, il peut encore espérer marquer. Court, il est court Laurent. Oh, il est court, il est court aussi. Elle est là Laurent. Ils le sont tous. On est à plus de 12 mètres, hein, on le rappelle.
J'ai l'impression d'avoir une très court. Et ouais. Il a toute la traversée, il est dur. C'est hein. Quand même des distances qu'ils ont l'habitude d'aborder, ces garçons. Comme il a dit, Laurent, j'ai l'impression d'avoir envoyé un train. Et oui, qui s'est arrêté en gare. Ah, il est allé sans palais dans la première, dans la deuxième boule d'Emmanuel Viola. 8 partout par terre. Dernière boule. Dans cette même. Allez, l'occasion de reprendre les commandes. Pour refermer cette dixième main. Évidemment, on va suivre cette dernière boule. Alors, il n'y en aura qu'un. Il n'y en aura qu'un. Égalisation, donc occasion manquée cette fois pour les joueurs de la Grande Île. Décidément, c'est peut-être la demi-finale des occasions manquées. Mais ça nous offre un duel au couteau. 8 partout donc entre ces deux équipes à l'issue de ces 10 premières mains. On va refermer d'ici une poignée de secondes notre passage sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Non, sans vous donner rendez-vous demain à 9h50 pour les meilleurs moments de la finale masculine et féminine qui a vu la victoire de l'équipe de France Espoir. Et pour suivre évidemment la suite et la fin, vous nous rejoignez tout de suite sur paca.france3.fr. C'est pas compliqué maintenant, vous vous mettez sur paca.france3.fr et vous y restez jusqu'au bout de la nuit. Comme ça, vous ne manquez rien. La demi, la finale des minots et la grande finale. Pas mal ça comme programme, Marion. Extraordinaire. Et si vous restez, bien évidemment, sur France 3 Provence Alpes Côte d'Azur, eh bien on va vous souhaiter une très très bonne fin d'après-midi. Et l'on vous dit à demain depuis le Missum. Bye bye. Allez. Bravo. Voilà, vous qui êtes resté avec nous sur paca.france3.fr, vous avez bien raison, vous restez tranquillement installé devant votre ordinateur portable, votre smartphone, votre tablette, que sais-je encore. Au long de cette journée, parce que c'est du grand spectacle, c'est de la très belle pétanque avec ces joueurs de la Grande Île face à Aimé Courtois. Ah, quel début de 11e même. Ah oui, le niveau, vraiment, Marion, a monté d'un cran hein, oui, par rapport au début de la partie. Ça y est, ils sont tous dedans maintenant. Et comme le dit Aimé Courtois à juste titre, c'était important pour Aimé Courtois de rendre le carreau. Allez, Sandra. C'était le jeu. Oui, non, mais c'est sûr. Après, là, il a fait carreau, okay, c'est le jeu. C'est le jeu, gros. Allez. On va là. James. Rakoto Nirina a pris le tir depuis deux mains. Oula, ouf. Elle s'est bien donnée celle-là. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là, la sortie de main était quelque peu hein, compliquée, mais ça suffit. Et le garçon, on le rappelle, hein, n'a que 24 ans. Hein. C'est quand même pas mal de responsabilités sur ses épaules. On dirait, en finale, Tyson Molina, qui n'a pas 20 ans. Oui, mais Tyson Molina, a l'habitude oui. De la très haute compétition. Vous avez raison, depuis les catégories jeunes. Voilà, même si à Madagascar, il y a de belles compétitions. Allez, c'est désormais Tafita qui va tirer, qui est membre du CBT. Alors le CBT, c'est le club bouliste de Tananarive. C'est un petit peu le... J'ai le Paris. Ouais, j'aurais dit le Paris Saint-Germain. Ouais. Il paraît que tous les très forts joueurs malgaches finissent là-bas. Voilà. Voilà. Ah, et oui. Donc on commence à jouer à la pétanque dans différentes villes. Et puis quand on est très fort, eh bien on est recruté par le CBT, qui est, je dirais,
une préparation à l'équipe nationale malgache. D'accord. Voilà. Et on a un autre pôle, peut-être on va en parler l'espace de quelques instants, Marian Antsirabe, cette ville d'où proviennent de nombreux champions. Il y fait bon vivre, semble-t-il, il fait un petit peu plus frais peut-être que dans la capitale. Et oui. Bien. Ce qu'on nous a dit, c'est que la pétanque à Madagascar, hein, tout a débuté là-bas. Avec les colons. Avec les colons, voilà, effectivement. Donc plutôt francophone, ce qui concerne la grande île. Ils avaient des triplets, tout simplement, ils avaient des boules. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Allez, Tafita pour se doubler dans la main. C'est encore frappé. Voilà comment on les aime, ces joueurs malgaches, quand ils se lancent au tir. Tout pour l'attaque. Allez, deux boules contre une. La mission de Manuel Viola, c'est le gagner. Et si possible, le faire un bon. Voilà, c'est très très bien. C'est très très bien, c'est le pointeur qui a la boule. Il peut frapper, il n'y a pas de problème, mais il y a quand même moins de chances qu'il fasse un carré. Oui, ouais, tout à fait. Aïe, 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 aïe. Solo qui manque. Le point est pour Aimé Courtois et ses partenaires. Laurent Kiepan à la dernière boule en main. Ça peut faire 10-8, mon cher Marian. Et oui, 10 à 8. Un écart que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Allez, mon poteau, doucement. Tant les deux équipes sont au coude à coude. Doucement, mais c'est vrai qu'il peut se l'embarquer, entre guillemets, puisque le deuxième point est là. Et ils sont là, ces deux points. 10 à 8. Et Aimé Courtois qui n'est plus qu'à 3 points de cette fameuse finale. Nous entamons la 12e mène de cette seconde demi-finale. Qui pour rejoindre Jean-Michel Puccinelli, Tyson Moulinas et Vigo Dubois. Le quadruple vainqueur de la compétition. C'est pas le même que les années. Qui ont joué ce matin d'ailleurs. Je voulais vous questionner, Marian, là-dessus. C'est important. Est-ce un véritable avantage d'avoir joué ce matin, d'avoir continue, fini mon grand, allez, de, allez, suite. De mémoire allez, vers 10h30, grand max, allez, peut-être 11h, d'avoir passé l'intégralité de l'après-midi au frais avant de revenir, ou finalement là, les garçons auront suffisamment de temps et sont habitués à ce genre de situation. Je dirais que si celle-là se termine avant 17h, ouais. Les compteurs sont à zéro. D'accord. Parce que ce matin, les autres ont dû se lever de bonne heure. C'est vrai. Voilà. Alors qu'on peut se reposer tranquillement chez eux. Voilà. Maintenant, si celle-ci venait à durer encore une heure et demie, forcément, ils laisseraient des forces. D'accord. Et ça serait un peu différent. Et là, c'est un peu ce qu'on s'attendait, hein, que cette partie soit un peu plus longue. C'est le cas. Maintenant, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Voilà. On va regarder effectivement avec attention l'horloge. Il est 16h15 en gros. Allez, 7,70 ce but. Oh, casquette. La casquette. Oh là 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 là. Ouais. Et autant vous dire là que du côté d'Emmanuel Viola et Aimé Courtois, ça a été compliqué de contenir le petit sentiment de joie bien légitime au moment où il y a eu la casquette adverse. Ce qui est totalement compréhensible. Ils l'ont plutôt bien caché d'ailleurs. On l'a à peine vu. Allez, on y retourne et il va falloir faire passer pour James. Faire passer, ça veut dire qu'il faut frapper, faire un palais. Ouais, c'est encore mieux, quasi carreau. La belle réponse, effectivement. Ah bah, ça, si je fais la reprise, c'est magnifique. Allez, allez, grand, essaye encore un coup, c'est super. Coup, là, c'est royal, là. Allez, fais ta main, Aimé. Encore un coup, là. Allez, nous atteignons l'heure et demie de match. Voilà, vous nous parliez, Marion, de ça qu'est-ce que l'instant de la durée. C'est vrai que si nous... Nous franchissons les deux heures, ça deviendra pour les organismes un petit peu plus dur, on ira puiser dans les réserves.
Allez, c'est bien joué, les deux mêmes. Pour Aimé Courcois. Bravo, bravo, bravo. Alors, qui va aller tirer? C'est bien joué, ça. Allez, c'est Tafita. On va là. On va là. On va là. Allez, attention de bien tirer, être bien droit pour pas avoir le contre. Allez. Il a cadré. Allez frérot. Allez, regarde, allez, la mettre assez, moi, gros. Après, tu joues plus haut. Moi, je joue là. Allez. Lève ton coup de main, moi. Allez, Manu. Moi, je joue là. Allez, mon pote. Voilà. Ça y est, de le gagner. Allez, vieux. Ils ont tout résumé. Jouer un peu plus haut qu'Aimé Courtois parce que Emmanuel Viola a un coup de main. Rentrant. Essayez de faire en plus d'entrée. Le gagner, c'est bien. Oh là 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 là, c'est juste. Ouais. Ça va, ça va. J'ai gagné. Ah bah, il me semble qu'il y a beaucoup. J'ai gagné. Ouais, j'ai gagné. Moi je ne les vois pas les points, mais là je vois qu'il y a beaucoup. J'ai gagné. Bien joué, Manu, bravo mon pote. Gagné. On va demander à mesurer là quand même. C'est vrai qu'il semblait assez sûr sur deux. Ah, juste. Hein? Ça, non, mais point. Point de rail. Allez, 59 et 2 mm. Allez, c'est gagné. Il tire si de tout à la mat. Vous venez là. Mais ça n'est. J'ai un enfant. Il est déjà gentil. Alors comme on a tiré rien à faire. Le mat alors. Ça va pointer du côté de Solo. Il serait bien inspiré de donner un petit coup de tête au but pour s'en donner deux. Aïe. La catastrophe. Là, ça devient important. Oh oui. Rassami Manana. On va peut-être en train de perdre les calculs. Les derniers espoirs de sa triplette. On n'y est pas encore. Allez, deux boules dans les mains des Malgaches. S'ils veulent pas perdre, il faut jouer les deux. Voilà, une. C'est fait. Mmh. 10 à 8, 3 boules contre une. Ouais, compte tenu de la tournure des événements, c'est vrai que comme vous le dites très justement, rester en vie, ce sera déjà le challenge, le contrat numéro 1 pour les Malgaches là. Donc oui. Allez, Emmanuel Viola, s'il reprend le point, il va mettre sur deux bons rails son partenaire. Parce que déjà il va faire jouer la dernière et Laura Nguyen-Van aura deux boules en main pour clôturer cette main. C'est fait. Ouais, c'est bien fait. C'est très bien fait. Bien soutenu par ses partenaires. Ouais, les Viola, Laurent, Nguyen-Van et Aimé Courtois, son capitaine. Allez, échec interdit pour Solo. Il a manqué à la main précédente. Et là, il n'a pas le droit de manquer. C'est manqué. C'est trop à droite. Allez. 11 par terre, 2 poules en main. Ils n'ont jamais été aussi proches. Alors, un duel Courtois-Pucinelli ce soir. Ça aurait de l'allure. Est-ce que le stade va être assez grand? C'est ça. Allez, il y a 5000 places qui vous attendent. Mais venez de bonne heure si c'est cette finale. Il est court. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Voilà, il ne faut pas s'affoler. Pas s'affoler. C'est pas grave. Maintenant tu vas tirer, Laurent. Donc il va tirer, c'est à la pointe derrière. Je vais faire l'effort. Il va monter le carreau pour gagner.
Allez Lolo, tape-y, tu tapes dans les deux, c'est beau, tu tapes à faire quelque chose. C'est beau le Saint Laurent. Allez, déjà, Guillaume, il faut y frapper. Hein. Un point ouais. Serait pas oui, une bonne oui. Chose. Allez, 12. Les deux points supplémentaires ont entrevu la victoire, certes, à l'espace d'un instant. Mais ces deux points vont, à n'en pas douter, et ravir les conforts, en tout cas. Ça fait 12-8. Un avantage de 4 points et désormais toutes les mènes, le moindre point les enverra au UCEM. Ils y sont déjà, mais pour cette finale de 20h30. Et ce public qui donne de la voix, ce sera échauffé tout au long de la journée, un public venu 9h30 ce matin. J'avais pas d'autre là, les gars. Demi qui a vu Jean-Michel Puccinelli et ses partenaires prendre le meilleur sur Marco Foyo. Allez, mais continue. Il n'y aura pas de Marco Foyo en finale. Allez, à nouveau un peu. Cette année. Allez, on a besoin de toi encore, mais allez. Allez, jusqu'à présent, Aimé Courtois dresse la table pour ses partenaires. Bien pointé, légèrement long. Bravo, mais c'est très très bien pointé parce que le but est au-delà de 8 mètres. La 13e mène 8m70. On sait que c'est une mène où en règle générale il se passe beaucoup de choses. C'est là. Selon les statistiques, c'est souvent la dernière. Exactement. Pas trop loin. J'ai répondu. Monsieur Marc Alexandre. Pas grave. Allez. Speaker. Au stade du UCEM. Comme il l'a été du côté de Borelli tout au long de la semaine. Il n'est pas au jeu. Oh là 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 là. Ils sont en train. Il est en train de dégoupiller complètement. Solo en route. Ouais. Il dégoupille comme vous dites. Oh là là, que c'est dur avec tout ce qu'ils ont fait. On le rappelle, ils ont éliminé les tenants du titre en 8e de finale, 13-11, en quart de finale, en 18 mènes, Litos Bartel et Échange Jacky plus Tonnerre. Peut-être ce qu'on en attendait hein, finalement. Et il en dans est ce carré final. Il était à 10 sur 13 et maintenant il est à 11 sur 18. Allez, c'est encore perdu. Allez, on va tirer au but, Guillaume. On va tirer au but. Allez, allez tiens. Trois boules pour espérer. Tout au long de la semaine, on en a parlé. Les joueurs ne se sont pas alimentés. J'ai jamais vu un malgache boire. C'est vrai. Voilà. Voilà, ça fait penser à Jean Feltin dimanche. Voilà, beaucoup de choses. Ça fait penser à d'autres joueurs qu'on a vu, peut-être pas sur le carré des Arts de France 3, mais juste à côté. Des joueurs qui jouaient bien et d'un coup, le trou noir, parce qu'il faut s'alimenter. C'est du sport. Allez, je pense qu'on tire au but. Je comprends pas la langue malgache, mais pour s'en sortir, il faut ça. Il tire. Sûr, parce qu'ils sont pas contents. Allez, c'est un sursis très, très provisoire que ce tir au but manqué vient enlever le point d'Aimé Courtois. Allez, grand, encore un coup. Essaye. D'autant que, vu le niveau d'appoint d'Aimé Courtois, ce dernier va avoir tout loisir de le reprendre. Rien n'est fait, hein, évidemment. Mais tout de même, surtout pas embouchonné. Ça serait catastrophique. Il faut le gagner. De toute façon, les Malgaches ils vont tirer au but, sauf si Aimé embouchonne. Voilà, c'est parfait. Voilà, il n'a pas grossi le but. Ça, c'est une boule à montrer dans l'école. Elle est jouée à la perfection. Il a fait la reprise et il n'a pas grossi le but. On en avait tout à l'heure 3 pour aller chercher le bouchon. Nous n'en avons plus que 2. Si les comptes sont bons, c'est bien ça. Allez. Étant donné que le danger se précise en tout cas. Mais étant donné que James n'a pas bien tiré le but, c'est Tafita qui va s'y coller. En tout cas, Tafita a été tireur en début de partie. Il avait le
bonne moyenne. Et s'ils ont tourné, c'est parce que James, au poste de milieu, n'était pas performant. Allez, tir au but, deux boules pour le noyer, sinon ça en sera terminé. Oh, c'est manqué. Légèrement trop à droite. Boule de match. La boule de match, effectivement. Il faut que ce bouchon soit touché. Maintenant, sinon les Malgaches se verront éliminés. C'est manqué. Encore un peu trop à droite. Allez. Maintenant. Ils ne peuvent pas tirer leur dernière boule. Cette finale, Puccinelli Courtois. Ah oui. Que tout un peuple marseillais appelait de ses voeux. On a coutume de dire que la Marseillaise, c'est le championnat du monde des Marseillais. Ça n'aura peut-être jamais été autant le cas, en tout cas sur ces dernières années. Hein, parce que les Girondins sont venus s'imposer. On est venu des Pyrénées pour s'imposer. On va dire que Draguignan, c'est une dream team presque internationale. Et voilà, c'est fini. C'est fini. La qualification. Bébé Courtois, Laurent Nguyen Van et Emmanuel Viola qui stoppe donc le superbe parcours de ces Malgaches. La grande surprise de cette Marseillaise 2018. Ils resteront comme l'une, en tout cas, des très très belles surprises. Mais leur chemin s'arrête là. Première indication, mon cher Marian, première information. Il n'y aura pas d'équipe étrangère qui s'imposera pour la première fois dans la Marseillaise. Et non, ça ne sera pas en 2018 en tout cas. Il faudra potentiellement patienter encore un an. On va avoir évidemment la réaction des vainqueurs au micro de Fred Soulier d'ici une poignée de secondes. Ils sont tout à leur joie évidemment. Ils fêtent cela comme une victoire quasiment. On va peut-être faire attention d'ailleurs de ne pas trop fêter entre guillemets cette demi-finale parce qu'il y a une finale à jouer mon cher Fred, mais je suis certain qu'ils en sont conscients. Oh oui, quelle joie l'équipe Aimé Courtois. Aimé, voilà, le rêve s'accomplit ce soir, vous retrouvez cette esplanade du Mucem contre Jean-Michel Puccinelli. Vous y avez rêvé, on peut le dire franchement. Oui, oui. En 2016 avec Laurent, on est rentré et Sébastien Dacuna, on a perdu en finale contre l'équipe de Dugénie. Et là, cette année, en 2018, on se retrouve encore en finale. On a fait un grand parcours. J'espère qu'on va continuer encore. Alors, vos adversaires, la triplette malgache, a malheureusement un petit peu sombré en fin de partie. Au début, pourtant, jusqu'à une égalité, vous avez senti une véritable opposition. Oui, parce qu'au début, nous, on n'est pas trop bien rentrés dans la partie, Manu et moi. Bon. On n'a pas trop bien joué, bon, eux ils ont super bien joué. Après bon, on a mieux joué, voilà, c'est bien repris, on a gagné. Alors il faut le dire, Manu Viola qui est là, Laurent Nguyen aussi, sont les artisans tous de cette belle victoire. Comment vous sentez-vous, soulagé? Oui, c'est vrai, bon, c'est la première fois que j'atteins le carré. J'avais bloqué jusque-là au quart de finale. Et voilà, arriver avec mes deux amis, pour moi c'est magique. Enfin, je veux dire, ça fait vraiment plaisir. Je me languis ce soir d'attaquer la finale et voilà, on verra que le meilleur gagne. Laurent Nguyen, Van. Vous rêvez aussi d'affronter l'équipe de Dubois Puccinelli. Ah oui, ça fait Marseillais contre Marseillais, c'est fabuleux. Et puis c'est pour bien qu'on ait un public merveilleux aussi qui nous suit derrière. Quoi, voilà. Très content d'être en finale. Et bien voilà, rendez-vous donc. D'abord, on se retrouve un petit peu plus tard pour la finale. Et bien sûr, Marian et Guillaume, ce soir, la grande finale. Puccinelli, notre ami Courtois. Exactement, ouais, c'est cette finale 100% marseillaise que l'on attendait de nos voeux, en tout cas que le public attendait. Et c'est vrai qu'il va y avoir le feu ce soir sur les coups de 20h30. Ah oui, il ne faudra pas manquer l'heure. En tout cas, il faut que le public arrive tôt. Et l'horizon mal démarré, les Malgaches jouaient bien. Et d'un coup, les trois joueurs de la grande île se sont totalement liquéfiés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ne se sont pas alimentés? Est-ce qu'ils ont eu la pression qui est montée? En tout cas, Laurent Nguyen Van a fait un tir d'enfer. Aimé Courtois a rivalisé avec le pointeur. Et dès que Emmanuel Viola s'est hissé à leur niveau, il n'y a plus de partie.
Et le championnat de Madagascar s'arrête donc hein, pour Aimé Courtois et ses partenaires. Victoire en huitième de finale, victoire en quart, victoire en demi contre des joueurs de la Grande Île. Il va retrouver donc une triplette bien marseillaise avec Jean-Michel Puccinelli, Tyson Molinas et Vigo Dubois. Vous restez bien avec nous hein, sur paca.france3.fr car la journée va se poursuivre avec la finale des Minots. D'ici un quart d'heure, une demi-heure, en tout cas avant 17h, cette finale des Minots, vous pourrez la suivre à nouveau sur paca.france3.fr. Nous retrouverons notre collègue Fred Soulier accompagné de Karim Attab. Très bonne après-midi en notre compagnie et on se retrouve nous, mon cher Marian, à 20h30 pour la grande finale. Au revoir, à tout à l'heure.